Et bonjour à toutes et à tous, c'est Mochi, j'espère que vous allez bien, se reprendre l'épisode sur Baldur's Gate 3 en compagnie de Vincent, Broker, Gaël et Astarion, ainsi que nos deux sbires, hein. Donc le Cambion et puis l'élémentaire de feu, hein, qui nous suivent depuis un moment déjà, hein. Donc épisode précédent, on a réussi à aller au niveau de la côte, hein, on s'est fait attaquer par des espèces de murlocs. On a réussi à sauver les habitants. Ensuite, ouais, on a exploré un petit peu toute cette zone, hein, à peu près ici, hein. On avait fait également une quête à la voie de Baldur où il fallait changer le... Parce qu'en fait, au niveau des impressions, ça allait dire des grosses saloperies sur nous. Du coup, on a passé l'épisode également à essayer de changer ça. Dans l'imprimerie, on a réussi avec Vincent, c'était galère. J'ai dû claquer des potions d'invisibilité. Et puis, comme d'hab, je me suis énervé sur du pathfinding dégueulasse, hein, à un moment. Comme d'habitude, hein, ça change pas. Hein. Donc, du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est de continuer à quêter, hein, tout doucement. Donc là, lui, je l'avais déjà vu. Hein. Mais il a fouillé les feux d'artifice de Felogir. Donc, regardez pour l'enquête avec les feux d'artifice avec les nounours piégés dans la map précédente. Et après, j'ai vu qu'il y avait des trucs qu'on parait. Ça parait d'Astarion. Et les sous-diabolis pour avoir le marteau d'Orpheus. Il y a encore plein de trucs à faire. Et là, notamment pour dire qu'on avait trouvé Chantenu, parce que mine de rien, ça fait partie d'une quête. Hein. Donc écoutez, on va essayer de regarder à ça sur cet épisode, tout du moins. Donc déjà pour les feux d'artifice. Hein. Donc on va essayer d'entrer dans ce bâtiment, parce qu'il me semble que c'est ce bâtiment. Hein. Si je dis pas de conneries. Donc on va essayer de rentrer. Ah non, c'est à droite. Merde, d'accord, j'ai fait de la merde. Donc c'est ici. Ah, on peut pas rentrer déjà. Je sais pas ce que ça annonce déjà, si c'est une bonne nouvelle ou pas. Attendez, on va peut-être aller là. C'est un truc à prendre. J'ai l'impression que c'est une porte ici. Ah, on était sûr. Allez. My whiff is very faint, thank you. Nothing in a rosemary. Non mais là, à un moment donné, faut taper, hein. Normalement ça marche, hein. D'accord. Bon, apparemment, on a du mal là. Hein. C'est quoi la résistance? Ouais, ça résiste pas aux dégâts de force, mais c'est un peu comme le premier truc que j'avais vu. Hein. Ça résiste pas trop aux dégâts d'épée, Astarion? Y'a moyen que ça passe là? On va essayer. On force, hein, mais bon, ouais, solidité moyenne pourtant. Hein. Comment résistance seul un coup infligeant au moins 22 points de dégâts peut l'endommager. 22 points de dégâts. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire du coup? 22 points de dégâts, ouais, c'est vraiment... Vraiment que je fasse des coups assez violents. On va essayer, hein. Si on fait des attaques critiques, peut-être que ça passe. Parce que 22, putain, faut les faire, hein. Mon broker, y'a pas moyen, toi? Non, ça ne marche pas. Ouais, chaud, hein. Ça, par contre, ouais, avec l'élémentaire et tout, j'arrive pas à sélectionner le truc. Oh, on peut crocheter! Idiot! J'avais pas vu qu'on pouvait crocheter. Ça ira sans doute mieux, hein, déjà, là. Hein. Ouais. C'est beaucoup mieux, hein. Allez, hop. On peut rentrer par ici, du coup. Tu rentres quand tu veux, du con, hein. Voilà. Manoir Filgrave. Je sais pas du tout où ça mène. Extrait, nanana. Y'a des zombies. Y'a des morts vivants. Ok. On va essayer de monter déjà. J'avais entendu le mort vivant là. Astarion. Crochette ça. Je sais
sais pas ce que ça va donner. Alors pas du tout. On va sauvegarder avant. Il y a des blêmes et tout là. Ok. On va dégrouper, je pense. Ça. Putain, il revient le con, hein. Fonce-le, allez, je t'en supplie. Et pourquoi tu le fais pas? Ah, je comprenais rien, là, c'est bon. Putain. C'est compliqué, hein. Bon, ça va. Une potion de soin, c'est bien. D'accord. C'est quoi ce délire? Well, hello, beautiful. If only it was fresh. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes que les fenêtres soient fermées aussi. Quel enfer. Quel enfer ce qui se passe à la porte de Baldur, quoi. Ah, en plus, on peut descendre à la cave. Ah bah, génial. Putain, la vache. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, ok, on pourra s'en servir. Et voir ce qu'il y a en haut. Je crois qu'il y a un ennemi, hein. Au grenier, là. Ouais. Sauvegarder. Il y en a plusieurs, hein. Je pense qu'il y a moyen que je le chope en plus ici quand il descend. Quand j'ai encore été éjecté du jeu. Ça m'arrive souvent maintenant de me faire éjecter, de retourner au bureau, quoi. Enfin bon, c'est pas très grave non plus, hein, mais bon... ça reste toujours un peu casse-couille, quoi. Hein. Ça parle dehors là, mais je vais attendre qu'il repasse là. Je pense sortir plusieurs comme ça, ça me va. Hein. On va attendre un peu. Hein. Vraiment de la merde, hein. Tout à l'heure il faisait pas ça lui. Hein. Non, j'ai l'impression qu'ils veulent pas me tuer. Très bizarre. Ouais, y'a du monde là, ok. Bien ce qu'il me semblait, hein. Ok. Bon, on va quand même faire venir Vincent là. Hein. Au minimum Vincent, hein. Pitié. On se tape contre des putains de ghouls là. Allez, va taper. Voilà. Nickel. Ténard, ok, il est tombé ce con. Il est mort. Bien joué. Il reste plus que lui là-bas. Ombre cœur. Tu vas venir.
Non, tu m'approches pas. Toi, tu sais pas te mettre en discrétion, donc écoute, hein. Ils aiment bien les dégâts radiants. Ouais, ils résistent un peu à tout, en fait, donc ouais, au final, ils s'en fichent un peu. Ça résiste au poison, j'ai pas fait gaffe. Ça résiste au poison, c'est immunisé contre le poison, donc l'impact divin ne servira à que dalle. Ok, qu'est-ce que je peux faire, du coup? Un truc de clair, là, non? On va pas faire un rayon traçant, mais ça suffira pas à le tuer, en fait, c'est ça le problème. Bon, je pense qu'on va le taper Vanilla, hein. Allez. Il sortira rien, mais ça on le savait déjà. Ok. Avec l'invocation peut-être, non? Et elle peut se mettre, elle peut se mettre en mode discrétion, l'invocation, je savais pas ça. Hein. Ça va peut-être me sauver les miches. Allez. Ah, ce marouflage, quoi. Incroyable. Allez hop, c'est bon. Il dégage, bien joué Astarion. Ok. Dénard. Ouais d'accord, bah. Il y avait des saloperies au grenier quoi, hein. C'est un putain de nécromancien, va falloir aller le défoncer. Je vais le voler ajouter à la vente. Bon, ça me saoule de cramer des crochets pour des trucs de merde comme ça. On pète la porte, hein. Pas fouillé. Ah, j'ai pas fouillé là-bas, moi. Quoi là-dedans? Arcane, merde, j'aurais peut-être dû prendre Gale du coup. Ça passe. Note de... D'accord, note de Thorambus, ok. Je sais pas ce que c'est. Aujourd'hui sera le dernier, nous ne restons pas longtemps ici. Gargas n'est pas tout puissant. Rassemblez tout l'argent que vous pourrez donner le mois. Je vais acheter un petit bateau et nous ramenons ensemble vers la liberté, disperser les restes cachés demain soir. Au jeune et moi, endroit habituel à la plage. D'accord. D'accord. J'ai toujours pas compris ce que c'était en fait la plage là, mes couilles. Apparemment, il y a un truc là. Ouais, j'essaie de mieux lire peut-être. Peut-être que j'ai raté un truc. L'affront aujourd'hui sera le dernier. Nous restons longtemps ici. Carcass n'est pas tout puissant. Rassemblez l'argent. Vous pourrez donner le mois. Je vais chercher. Acheter un petit bateau et nous rendons tous ensemble vers la liberté. Dispersez-vous. Restez cachés jusqu'à demain soir. Puis rejoignez-moi à l'endroit habituel sur la plage. D'accord. On t'est se barrer ou quoi les ghouls là? Pas compris. Quel bordel. Ah, c'est vrai que Gale il est resté planqué lui, hein. Pourquoi il nous a pas suivi cet enfoiré en fait alors que j'ai dit de regrouper? J'ai pas compris. Ah, l'élémentaire par contre il peut pas être caché. On entre. D'accord. You do not have an appointment. Yet you seek an audience with Mr. Carrion.
C'est quoi ça? Ah, yes. You were drawn to me. A wanderer, bearing the scent of death. Ah! You are familiar with the Nécromancité, putain, c'est le bouquin que j'ai. C'est le bouquin Castarion A. Few books have the power to send a shiver through the living and the dead. Tell me, what did you make of its contents? Demande à Astarion, hein. Les séances domaines, j'ai adoré, surtout le chapitre sur les licornes. Such a book is for those who make only the shallowest ripples in death's dark pools. I inhabit the depths. Putain, la suite du bouquin qui est ici, incroyable. J'ai complètement oublié, moi, ce truc-là. I would hate to be the one who helps you drown. Perhaps one day the book will reveal its secrets to you. Until then, they're best left between its covers. Unless you have any other business with me, I suggest you return to the domain of the living. Pour parler de votre client Oscar, il est possédé. Oscar ? Ah, t'as des choses à vendre ? I always have items of interest to those of a curious disposition. Garde sport, d'accord. Comment cause des dégâts nécrotiques, inflige un point de dégâts nécrotiques, des sports, nanana, ok, ça c'est quoi ça? Vêtements. Que les morts vivants pâlissent la peur, les vivants, avantage à leur jet d'attaque, ok. C'est d'armure plus 1. Protection contre des armes, il faudrait que je le fasse, défense patiente avec mon armure actuelle, c'est vrai que j'y pense jamais quoi. Et porté par le vent, je le fais jamais alors que c'est bien pour moi, quoi. J'ai des bonus et tout. C'est quoi ça, capuchon de la trame? Gale. Pour porter un fil d'un état. C'est jeu pendant deux tours, d'accord. Bénéficier d'un bonus de plus 2 au dé de sauvegarde. C'est quoi des dés déjà? Degré de difficulté des sorts, d'accord. Plus de degré de difficulté des sorts, c'est un sort, jet de sauvegarde de la part, d'accord, ok. Sauvegarde contre vos sorts ainsi que leur jet d'attaque, ok. Pas mal. Ouais, mais bah après, c'est pas des trucs non plus incroyables. Hein. Astarion, tu peux peut-être essayer de lui parler en fait, non? My client list is full, and you are not on it. Je sais que vous avez aidé Oscar, j'ai trouvé votre lettre. J'ai mal entendu ce que les esprits ont à dire sur un nécromancie de Tay. Ouais, là, je suis là pour offrir mes services, au cas où vous aurez besoin de quoi que ce soit. Ouais. Spirits! Mystic Carrion calls on you. Come forth! Listen! Obey! Starion, lui, il l'a lu, hein, le bouquin. Et quand mon esprit se poursuit, mais bien plus rapidement académique, obtempéré, nanana, persuasion, que soient les dangers que l'on se livre, il ne concerne guère que les vivants. N'allez rien à craindre. Tromperie ou persuasion? Persuasion, c'est bien. Avec une assistance là. Ah bah, un bon jeu en plus, ça fait plaisir. D'accord. J'ai dépensé 1500 balles pour ça, quoi. Ok. It seems that if you want to unlock the mystery, a simple ask for such a potent prize. Qu'est-ce que Codex Tachiat? There is a place. Ah, ok, d'accord. If a copy of the Tachiat Codex has. Ok. Be warned. The necromant less. And for now. Unless you have any further business with me, I think this consultation has reached.
Je vais reprendre Vincent parce que là, oui, on va parler de Oscar. Again, you. What else could you require of Mr. Carrion when he has given so much already? Si vous avez aidé Oscar, j'ai vu vos lettres. Yes, I have. I gave him exactly what he desired. His inability to follow simple instructions is hardly my fault. Il a pris possession de lui. It's quite simple. He requires sans sympa. Provide you with the means to perform such a ceremony. But you understand. This is my livelihood. Qu'attendez-vous de moi? You must do something for me. Do not worry. It is of an earthly nature. It regards a conduit of mine, Thrombo, who has he has not gone far. But given the sensitivity of his nature, I return Thrombo's body to me. Then I will give you what you need to cleanse Oscar of his spectral interloper. D'accord, vous voulez donc que je le tue? If he does not value the gift I gave in reanimating that wretched... J'aime autant payer. Ah putain, ouais non, c'est trop cher. I will take it back. La Thrombus, bah on le connaît déjà, il est déjà mort. Not je crois. Then, with three others escaped with him, though they lack even Thrombo's. Thrombus, c'est pas... C'est pas lui, Thrombus? Non, c'est Franck Poiré, merde. Ah, d'accord, oui, c'est... C'est les mecs dégueulasses, là. Ah, c'est bon, putain, c'est les mecs qui sont crades. C'est bon, bah, je sais où est-ce qu'il est, hein. Bah, au final, je m'attendais... Ah, voyez, les amis, je m'attendais à faire le truc des feux d'artifice sur cet épisode. Bah, au final, on fait autre chose. Comme d'habitude. Comme d'habitude, Baldur's Gate, quoi. On va aller chercher l'autre con, là. On sait que c'est pas bien, hein. Tu vas me suivre, mon gars. I've told you already. This spot's taken. Mystic Carcass m'a beaucoup parlé de vous. Mystic. Oh no. No. You don't have to help him. He's the one you should be after, not. Au contraire, il m'a offert une eau généreuse pour ramener chez lui. Vous êtes-vous retrouvé au service de Carcass, pourquoi? Ok. Exploded. I got so much blood and savez-vous comment Carcass s'y est pris pour m'amener à le cas? Histoire, bon, on voulait bien mourir en silence maintenant qu'on a décidé de résister. C'est affreux, ouais. We'd have to stop him resurrecting somehow. Since Talus died, I've been watching Carrion, trying to figure out his secret and... Un seigneur momie. Toi qui semble aimer les bandelettes. Est-ce que vous faites dire ça? Carrion blindfolded me and took me into a strange place. A foul and ancient place. Somewhere the living wouldn't dare to tread. Down there, he showed me a jar. Said it contained the secret to eternal life. I think it was his heart. I'm not stupid. I know what he did to my friend. Gods, how I'd love to smash that bastard jar. Non, cette urne dont vous parlez, il l'a caché dans votre... Ouais, déjà trouve. Il l'a caché dans votre corps. Quoi? Je vais trouver et détruire cette urne. Par où commencer? Attendez pas si vite, vous dites que cette urne lui confère l'immortalité. Je crois que je préfère vous tuer, c'est plus simple. J'ai trouvé son nom. Ouais, j'ai déjà trouvé l'entrain. Hein. Oui, hein. What? His right heart was inside of me this whole time. Get it out. I have to... Ah. Ok, j'ai le cœur. That's slimy. Please, take that. D'accord, donc j'ai le cœur.
J'ai son cœur, j'ai son foie. Ouais, j'ai tout le bordel, hein. J'ai tous ces trucs là. C'est n'importe quoi. C'est qui les a d'ailleurs? C'est Ombre Cœur, non? Ouais. Elle a son cerveau, elle a son foie et j'ai son cœur. Récupérer la pierre infernale, récupérer nanan, c'est quoi déjà la quête? Percasse, ouais, d'accord. Mais t'as un terme immortalité. Nous avons trouvé le cœur de mystique, nous devrions le détruire si nous voulons le tuer une fois pour toutes. D'accord. Bien de le détruire, d'accord. Bah, je vais devoir l'exploser en fait, quoi. Ok. On va le faire, hein, mais d'abord je vais retourner à son antre. Maintenant qu'on a son cœur. Il l'a dégueulé son cœur, quoi, ça me fume. Il fait quoi le druide là en fait là? Ah, désolé. Ouais, t'es à côté de lui, je vais sortir son cœur là. Allez, inventaire. Son cœur de merde là, on va le mettre là. Allez, on va sauvegarder, on va essayer de le taper. Ok, bon, ça a un peu explosé, hein. D'accord, donc il est plus immortel normalement, par contre il est encore vivant, hein. Ok, bon par contre je vais devoir peut-être faire un soin de groupe en broker, peut-être. Merci, ça fait du bien. Attends, je vais peut-être regarder pour tes sorts, toi en fait. J'y pense, mais ouais. Parce que je t'avais mis le truc pour les malédictions, mais je peux peut-être retirer un truc et puis prendre un sort niveau 4 peut-être. Ou niveau 3, je sais plus ce que j'avais enlevé, ce que j'avais mis quoi. J'ai mis mort, ouais, retour à la vie, ouais, c'est pas utile en fait. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Silence, c'était pratique. Cécité. Sur des morts. Communication avec les morts. Ouais, une glyphe, tiens. Les glyphes, c'est pas mal en vrai. Hein. Je m'en sers rarement, mais c'est cool. Ok. Allez. On va parler à l'autre con là. D'accord, là, il veut notre mort. Ok, ça marche. Ok. Il a pas cherché à comprendre là, il veut vraiment notre peau. Ok, bon. Bon, c'est rien du coup, tu vas me sortir la momie là. Ah, elles sont costauds, hein. D'accord. Je sens qu'on broker, elle va nous faire un petit renvoi des morts vivants là. Ça va pas être piqué d'un ton, hein. Ouais, les momies là, on a beaucoup, hein. Allez, prends-toi ça. Élémentaire de feu là, ouais. Pas moyen que j'aille taper lui là. Ouais. Oh, avantage en plus. Eh ben, on n'a pas aimé, hein. De le dégommer, lui, je pense. Ok. Taper la momie, peut-être, là. Voilà, elle a pas aimé. Voilà. Si je peux l'assommer, je pense que ça sera pas dégueulasse. Hop là. Faudra que je récupère du ki, moi. Bon, toi, Ombre Cœur, tu vas aller là, tu vas faire un renvoi des morts vivants. Purement et simplement, hein. Ils ont tous réussi leur jet de sauvegarde, j'ai envie de crever. Ok, j'ai réussi mon jet de sauvegarde, c'est cool. Raté. Ok, Gail. Qu'est-ce que je peux faire du coup là? Une petite boule de feu? Ça marche toujours, hein.
boules de feu là. J'aimerais vraiment beaucoup. Ouais, je crame les deux là. Parfait. Bam. Bien joué. D'accord, ah, il a fait mal là, l'enfoiré. Ça pique, hein. Non, il me terrifiera pas avec ces conneries là, c'est bon. Raté. Et l'attaque d'opportunité là, non, ouais. Sentinelle quand même. Faut pas déconner. Putréfaction de momie, ok. Il fonce, il fait rien d'autre, très bien. On rejoue, ok. Bon, Starion, c'est bon. Est-ce que t'as une bombe à lancer ou une connerie comme ça? De toute façon, j'ai plus que l'attaque bonus. Donc ça sert à rien. Qui c'est qui est bientôt mort, là? Tout le monde a pris un peu de dégâts, mais... Ouais, lui, là. Allez, on va laisser passer les autres. Toi, là, ouais. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous aider? À part faire un truc de feu, en fait, ouais. Un rayon de feu, là, tant pis, hein. J'ai des avantages, quoi. Sauf contre lui. Bien joué. En moins. L'élémentaire, là, ouais. Mon moyen de passer, ça serait sympa. Allez, crame les deux, là. Bien joué. Le moine. On va faire ça. Hein. Ah, ça fait du bien. Allez, maintenant on les défonce. C'est vrai que je peux faire la déflagration là, le ki, ouais. Bam, voilà, ils ont pas aimé là. Hein. Je peux faire une attaque bonus comme ça. Parfait, ça me va. Ok. Mon broker, qu'est-ce que tu peux faire toi? Bah plein de trucs en fait hein. Mais j'ai envie de faire du soin peut-être là, non? Ça serait peut-être mieux parce que là on a vraiment, vraiment pris cher. Mais j'ai plus de sort en fait, c'est ça le problème. Hmm. Un petit silence peut-être? Sur cet enfoiré là? Petit silence, c'est pas déconnant en vrai, hein. Pour rien faire. Sauf que je fais un soin de groupe. Bon, je fais un silence là. Aura de silence et moi bon, je fais un soin de groupe là. Hop là. Pas mal. Check critique. Gale. Un globe d'invulnérabilité. Ouais, ça peut être pas mal ça en vrai, hein. Le problème, c'est qu'il y a des ennemis dedans, quoi. Ah, les autres, ils sont encore en pleine forme, hein. Ça casse un peu la tête. Lui, il a encore tout ça. Qu'est-ce que je peux faire comme truc qui pourrait être sympa, là? Un petit armure d'Agathys, là? Ouais, je vais faire ça, moi. Ouais, petite armure d'Agathys, là, où j'ai 15 points de vie. En plus, je peux pas me barrer. Il était en mode silence, mais apparemment il s'en bat les couilles, hein, écoutez, donc c'est bien, hein, on s'en fiche. Il se prend des coups, mais bon, il se barre quand même, il va attaquer Astarion, quoi? C'est une plaisanterie. C'est juste une plaisanterie, quoi. C'est passé quoi, là? Ah, la Cornbroker l'a soigné, ok. Mais c'est le bordel là en fait, j'ai pas compris ce qui s'est passé, c'était de la merde. Et bah lui, je l'ai bien cramé là, c'est bien. Sorti de la brume mortelle là, faut pas rester là-dedans en fait, hein.
Échec critique, bah ouais, bien sûr. En ce temps-là, on va peut-être mourir, tant pis, hein. Ok. Si je lui faisais... Ouais, un autre en fait, ouais. Hein. Allez, go. Bam. Je vais commencer à l'attaquer cet enfoiré parce qu'il commence vraiment à me gonfler. Hein. Toujours pas. Ok, je peux encore refaire un soin là. Faut vraiment que j'aille aider Astarion là par contre, sinon ça va vraiment être la merde. Pas faire une dissipation de poison là, ou une connerie du genre, non, ça marche pas. Je suis plus dans la brume là, ok? Astarion qui meurt pas du coup. Ok. Bon, Astarion, faut que tu sortes d'ici du coup. Et rapido. Non, je peux pas mordre la saloperie. Bon, je peux faire un pas brumeux. Hein. Voilà, comme ça je sors et je prends pas d'attaque d'opportunité dans le fiac. Ok. Nickel. Un petit renvoi ou pas là en fait là? Ah, lui il est effrayé, c'est pas plus mal. Il y a quand même un qui est effrayé dans l'équation, c'est pas mal. Toi tu sors de là. Plus dans la brume mortelle, c'est déjà bien. Un petit désintégration sur cet enfoiré là, non? Ou sur lui, hein. J'ai de sauvegarde réussi, enfoiré. Il est toujours effrayé donc ça va. Attaque d'opportunité s'il te plaît, merci. Fallait pas déconner non plus. Ok, ouais, il fait chier. On a compris. Bon, ok, il... Du coup, il va attaquer, hein. Bah ouais, évidemment. Parce que l'autre connard, il a fait une attaque d'opportunité, donc c'est génial. Ah, avec sa brume toxique, là, il casse la tête, lui. J'ai envie de l'exploser. Ouais, ça suffit maintenant. Tu vas crever. Faut mourir, mec, hein. À terre. Maintenant, je vais te défoncer, mon gars. Comment t'as jamais défoncé. Pour assurer le coup, hein. Ah, parce qu'il est pas mort, j'en étais sûr. Fumier, va. C'est bon, il est mort. Allez, va, dégage. Ça, au moins, c'est fait, quoi. Par contre, malheureusement, je peux pas t'aider, hein. Donc, mon broker et machin sont morts. Il reste une putain de momie, là, qui casse la tête. Qu'est-ce que je peux lui faire à cette momie, là? Lui envoie une boule de feu dans la tronche, ou quoi? Sinon, il y a l'élémentaire de feu. Pour encore attaquer. Bon, faut-il savoir viser, hein, parce que là, j'en peux plus. Ok. J'essaie d'aller ici. Chemin interrompu, c'est pas vrai quoi. Tu as eu jusqu'ici du coup. Ok. No choice but to keep going. A tale for the ages. Bon, il reste plus que Gale. Gale, tu vas peut-être te prendre une potion en objet en truc bonus parce que toi t'en as besoin.
Bon, on a bien envie de la défoncer, la momie, là. Hein. Est-ce que ça suffira, par contre hein. Je peux pas cibler les morts vivants, ok, c'est bien. Qu'est-ce que je peux faire, du coup? On va pas tarder à se reposer, de façon. Boule de feu dans ta gueule. Voilà. Aïe 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 aïe. Il a tapé l'invocation, très bien. Alors toi mon con. Dégage, voilà. Ok, ça au moins c'est fait. Vincent, faut absolument que t'ailles relever Astarion. Bon, mon cœur, ça a l'air d'aller. Voilà. Ok, ça marche. J'ai pris un peu de dégâts de feu, mais ça va. Je survivrai. Non, Astarion ne pourra pas. Il pourra peut-être, par contre, jeter une potion, non? Non, jeter, c'est une action normale. Fais chier. Ok, bah, on va jusqu'ici, peut-être. Non, je vais me prendre un dégât de feu et je vais crever. C'est pas possible. Ah, faut que je rentre. Ouais, non. Nick, c'est même pas la peine. Ok. Élémentaire, là, ouais, tu vas rentrer. Bien joué. Cette fois, il est mort. C'est pas trop tôt. Allez, on l'aide. Ouais, c'est bon. Bon, je l'ai aidé, ça perd d'avoir beaucoup marché, hein. Ouais. Vous voulez quelque chose à vendre? D'accord, à nous, seigneur des cryptes. Ouais, non, tu vends que de la merde, hein. Bon, par contre, faut peut-être la relever, hein, parce que ça a pas marché, hein. C'est bon. Voilà, on les a tous butés. Tout le monde est revenu. C'est un repos court. D'accord, le repos court n'a pas marché sur Gel, j'ai l'impression. À cause de trucs de momie, c'est ça? Ok. Bon, le... Ouais, lui, là. Peut-être le fouiller, maintenant, cet enfoiré. Bâton de nécromancie, chéri, c'est d'accord, c'est un bâton. Écoute, essence vitale, quand le porteur tue une créature hostile à l'aide d'un sort, il absorbe goulûment l'énergie de cette dernière et gagne essence vitale jusqu'à la fin de son prochain long repos. C'est quoi ça? Une créature, elle peut utiliser pour lancer n'importe quel sort de nécromancie sans consommer. Ah d'accord, c'est vraiment un bâton pour la nécromancie, quoi. C'est pas mal. Oui, ça, Gale. La capuche de tram, ouais d'accord, ça c'est le truc pour, qu'on avait vu. Hein. Bah, c'est le truc qui vendait, en fait, tout simplement. Hein. Mon cœur. Broker et les deux clés. Ok, nice. Quel bordel. Ouais, les momies, y'a rien. Hein. Je m'attendais pas à me taper un combat de boss comme ça, quoi. Au niveau des niveaux, putain, on est presque niveau supérieur, encore 1000 XP, quoi. Pas mal, hein. Un chemin d'animation des morts, ok. Je vais les parler aux autres cons là. L'étrange mendiant, bah c'est le mendiant qui se faisait tabasser là. Eh ouais, d'accord. C'est bon, on les a aidés, je suis content de les avoir aidés quand même, c'était vraiment une raclure lui. Puis je sais quand même comment faire le truc pour la nécromancie de Tay là. Oh, on pouvait arriver de par ici en fait. Oui, c'est vrai qu'il y avait un endroit là. Par en haut, on va y aller. Après on arrêtera la vidéo là je pense parce que ça fera déjà un bon épisode. Et en plus on faudra aller se reposer parce que l'on a vraiment vraiment pris cher quoi. C'était vraiment crapuleux hein. Avec Vincent qui a encore sauvé les miches à tout le monde là. On peut aller à la cave. Chance à présage du bonheur. Et on revient là.
J'avais déjà été ici, je crois, non? Attendez, je suis pas sûr. Pas sûr du tout. Ramasse la tismousse, ramasse l'armoise. Ouais, ramasse les crocus d'automne, ouais. Tismousse. Je te fous de ma gueule. Bon, moi, bah, j'y arrive pas. Tant pis. Pas sauter, là, ça m'énerve, hein. Faudrait que je fasse passer un petit ouais bah que mon bon cœur se change en gnome, une connerie du genre quoi. Non, y'a rien, ok. Y'a quoi là-dedans? Élixir de résistance nécrotique, on prend hein. Souvenir d'une momie, ah. Peut-être le ramasser quand même ce truc. Putain, je te jure, une momie quoi de merde. Let's have a look. Grand pot. Ah, oh, des parchemins, c'est pas mal hein. Ah, des matériaux. Alchimiques. Casier à bouteille, y'a quoi là-dedans? Rien. Y'a rien d'autre. C'est étonnant. Ah, plein de trucs, plein de potions et autres conneries. Très bien. Bien fait de regarder. Mon broker, tu vas regarder un peu au niveau de tes transformations, déguisements là, ouais. En gnome. Go. D'accord. Ok, bon bah, on prend le trou, hein. Ça nous ramenait sur la plage, en fait. Ils sont barrés de par là, les cons. Marrant. Allez, hop, c'est bon. On remonte. C'est finito. Finalement, pour l'exorcisme, on se démerdera, hein. Je vous jure. Allez, sortons d'ici, hein. On reste pas là-dedans plus longtemps. Comme regarder un peu au niveau de la map, hein. D'ailleurs, bah, du coup, on aura fait cet arc-là, hein. T'es incroyable, hein. Trouver le codex, stagiaire pour la magie sortie, juste pour faire le truc, d'accord. Et sinon, pour l'exorcisme, ouais, ça, je sais pas ce que c'était, par contre, hein. Je me pousse, c'était. Tant pis. En tout cas, je suis content, on aura bien avancé. Et attendez, j'ai un truc aussi à la foire au vin, là. Attends, c'est quoi ces conneries? Cora Haute-Bée, d'accord, on va lui parler. Par contre, la voix de Baldur, j'ai hâte de voir ce que ça va donner le lendemain matin, parce que c'est vrai que j'ai changé le truc, donc on verra ce que ça donne, hein. Déjà, on va aller au feu, au camp, du coup. Ah, c'est vrai qu'il y a Mizora qui va vouloir nous ken, là, c'est vrai, j'y pensais plus. Et bah, justement, d'accord, du coup, je viens de regarder l'heure. Bah, justement, ça fera l'occasion pour vous de regarder le prochain épisode pour voir... la romance avec Mizora, hein. On verra ce que ça donne. Je vous fais des bisous et à la prochaine. Pensez à vous abonner, liker, partager, bien sûr, comme d'habitude. Allez, des bisous, partez-vous bien. Salutations.